Je m'appelle Astrid Jourdain, je suis illustratrice. Je fais des fresques, des dessins sur du papier, sur des vitrines, voilà. Plutôt vendredi. Dimanche, c'est un peu le coup de blues, donc lundi, c'est pas top non plus. Passé, pas terrible, mais passé. Je suis un peu mélancolique, quoi. Crépuscule. Je suis pas du matin, en fait, c'est surtout ça. Alors j'ai un peu de mal avec le bleu et le blanc, pareil. Alors j'utilise beaucoup de bleu, c'est ça qui est étrange. J'essaye d'apprivoiser un peu la couleur et le blanc avec le papier en fait. Et l'or, bah, c'est plus compliqué parce qu'en feutre, en crayon de couleur, ça n'a pas de, brillant en fait. Sur les vitrines, j'utilise de l'or. Nigloland, plutôt. J'ai des bons souvenirs, puis comme je suis plutôt du passé. Ça reste des... J'ai un peu de mal à être positive et à grandir, ouais. J'ai plutôt tout ce côté d'embellissement de l'enfance. Plutôt chat ours, je mange pas de viande et je mange pas trop de fromage non plus, mais ouais, plutôt chat ours. Betterave, pour la couleur. On peut faire des teintures, c'est bon, c'est sucré. Alors moi j'ai fait du karaté et du yoga. Carousel, c'est sur l'hôtel de ville. Je sais pas, c'est vraiment un lieu de rencontre à chaque fois, plus ancien que le cœur, donc finalement c'est là où j'ai plus de souvenirs. Pays d'Hôtes, j'ai l'impression que c'est vraiment là où il y a une nature qui me parle le plus. En fait, c'est que des couleurs, des végétaux, des lumières, ouais. Claudel, déjà c'est une femme qui a une vie assez incroyable, puis son œuvre me touche plus en fait. Ouais. La cathédrale de Troyes, ouais, je trouve qu'elle est très belle. J'aime bien le fait qu'il n'y ait qu'une seule tour, finalement, c'est un peu une marque de fabrique d'ici. Les vitraux sont super jolis. Et d'avoir cette place comme ça devant, je la trouve très jolie. Puis on la voit de partout, en fait. Musée, le musée d'art moderne. Il y a Thomas Pesquet qui part dans l'espace, je pense que ce serait ça. Le fait d'être comme ça enfermé, en même temps c'est quelque chose de super intéressant, mais d'être enfermé toute la journée, je pense que, enfin moi c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Alors je lis énormément, chocolat évidemment. Et puis après le dessin, ça peut vraiment être accro, c'est plus que c'est quand même central dans ma vie, mais ouais, ouais c'est une passion. Ouais. Oui, je pense lecture chocolat, moi, on met comme ça toute une journée. Et là, je trouve ça vraiment beau. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de la région qui vient et que je l'emmène, je me rends compte à quel point c'est beau. Qui sont tous ébahis. Et dans Troyes, j'aime énormément le musée. Pas juste me balader dans les ruelles, je pense. Et ces petites maisons, ces petites ruelles, les pavés, et je me sens tout de suite bien. Donc je pense que ce serait Troyes, en fait. C'est un moyen de rencontrer des gens. Moi, je suis très timide et casanière. Donc du coup, c'est aussi une sorte de défi. Et voilà.